Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment tricoter le point branche feuillue. Donc ce point que vous avez en face de vous qui dessine des petites branches, comme vous pouvez le voir, avec des feuilles un petit peu différentes à chaque fois. Donc vous avez vu une feuille en jersey en vert, une autre en jersey en droit. Donc c'est un point qui est réversible, hein. Vous pouvez voir l'envers est similaire. C'est un point voilà, que vous pouvez utiliser pour différents types de projets, hein, pourquoi pas une couverture légère, une petite écharpe mi-saison, ou un petit gilet, un petit haut, voilà, vous avez plusieurs options. C'est un point légèrement ajouré comme vous pouvez le voir hein, ici, mais pas trop non plus. Voilà, j'espère qu'il vous plaît et je vais vous montrer pas à pas comment tricoter ce point. Pour tricoter le point branche feuillue, vous allez devoir monter un nombre de mailles qui soit basé sur un multiple de 14 plus 2, donc j'en ai monté 30, et pour tout ce qui est base au tricot, donc je vous invite à aller regarder la playlist qui s'affiche en haut à droite de la vidéo qui s'appelle Premier pas au tricot, et dans cette playlist vous pourrez trouver vraiment toutes les bases du tricot qui vous sont expliquées pas à pas. Donc je vous invite vraiment à aller la consulter si vous en avez besoin. Vous trouverez cette playlist également sur ma chaîne dans la rubrique playlist. Alors on y va, on va commencer par notre rang numéro 1 et on va glisser la première maille sur notre aiguille de droite. Donc ça c'est notre maille de rangée. Ensuite on va passer le fil devant le travail et on va tricoter la prochaine maille en vert. Donc je mets mon fil devant le travail pour cela, ensuite je vais prendre mon aiguille de droite. Je l'applique de la droite vers la gauche au niveau du brin avant de ma maille et ensuite je vais la tricoter. Donc je passe le fil dans la maille. Comme ceci. Et je glisse tout sur l'aiguille de droite. Voilà. Et je vais faire ça au total 7 fois. Donc j'ai une maille en vert. Ensuite je vais faire la deuxième. Donc on en fait une deuxième, donc deux mailles en vert, trois, quatre, cinq. 6 et 7. Donc ça nous fait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en vert. Et maintenant je vais tricoter 7 mailles en droit. Donc 1, 2, donc vous avez vu hein, le fil passe derrière le travail. Je pique au niveau de la maille ici avec l'aiguille de droite de la gauche vers la droite cette fois-ci de manière à ce que la pointe aille vers l'arrière du travail. Et je prends le fil, je passe dans la maille et je tricote. Hein. Donc voilà. Donc 3, 4, 5, 6 et 7. Et voilà pour le premier schéma. Donc là, vous avez vu, on a bien une base de 14 mailles. Donc 7 mailles en vert, 7 mailles en droit. Et je vais vous laisser répéter ce schéma jusqu'à la fin du rang. Donc 7 mailles en vert, 7 mailles en droit, etc. etc. J'arrive à la fin du rang numéro 1 et on va terminer par la maille de rangée qu'on va faire. Donc on va faire une maille envers torse. Donc je passe le fil devant le travail, je pique comme ceci au niveau du brin arrière de la maille avec l'aiguille de gauche et je repasse le fil dans la maille et on glisse tout sur l'aiguille de droite. Voilà pour notre rang numéro 1. Et maintenant je vais vous montrer donc comment tricoter le rang numéro 2. Donc on va commencer par notre maille de rangée. Donc je prends la maille que je glisse sur l'aiguille de droite, je tricote la première maille en droit, donc ça c'est le début de mon schéma, hein. Donc première maille du schéma, en droit, une maille en droit. Ensuite, je vais tricoter 6 mailles en vert, donc une, deux mailles en vert, trois, 4, 5
et 6. Je vais maintenant tricoter 5 mailles en droit. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, on va tricoter 2 mailles ensemble en vert avec du coup en passant par le brin arrière. En fait, 2 mailles ensemble en vert torse. Donc ça va être un petit peu de gymnastique. Je vais passer le fil devant le travail. Je vais passer du coup mon aiguille comme ceci. Donc je fais bien en sorte de passer au niveau voilà, des deux brins vers l'arrière. Comme ceci. Je prends le fil et je le passe dans ces deux. Au niveau de ces deux brins. Donc on va reprendre. Voilà, donc là je passe au niveau, donc je laisse le fil devant. Hein. Je passe au niveau des deux brins arrière. Je prends mon fil que je passe voilà, dans les deux mailles. Et là je viens de tricoter deux mailles envers torse ensemble. Voilà. Et je fais un jeté. Donc ça, c'est pour le premier schéma. Donc là, je fais mon jeté et puis du coup, je commence avec le schéma suivant. Donc une maille en droit, 6 mailles en vert, 5 mailles en droit et puis 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, torse, tricoter ensemble. D'accord ? Donc ça veut dire que vous voyez, hein, comme je vais vous montrer, vous passez vraiment au niveau des deux brins arrière de ces deux mailles de manière à ce que voilà, la pointe ressorte comme ceci, vous cherchez votre fil et vous tricotez ça. Donc je vous laisse continuer ce rang numéro 2 avec le schéma que je viens de vous montrer et je vous retrouve à la fin du rang. Nous voilà arrivés à la fin du rang numéro 2, donc on a bien notre jeté ici et ensuite on va voilà, faire notre maille de rangée, donc on fait une maille envers torse. On tricote une maille envers torse. Voilà, on ajuste notre tout ça et on n'a plus qu'à tourner le travail et on va pouvoir entamer notre rang numéro 3. Et donc pour le rang numéro 3, on va glisser la première maille sur notre aiguille de droite, tricoter la première maille en droit. Ensuite, on fait un jeté à nouveau. On glisse la maille suivante en droit, puis on tricote la maille suivante en droit. La maille glissée, on la passe par-dessus la maille que l'on vient de tricoter. Voilà. Ensuite, on va tricoter 4 mailles envers, donc 1, 2, 3 et 4. Ensuite, 5 mailles en droit, donc là on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Donc ensuite, 5 mailles en droit, 1, 2, 3, 4 et 5. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 2 mailles envers. Et ensuite, on recommence avec une maille en droit, etc, etc. Donc une maille en droit, on fait notre jeté, puis ensuite on fait notre surjeté simple, hein, donc on glisse la maille en, comme si on tricotait en droit, puis une maille en droit, on passe ensuite la maille glissée par-dessus la maille en droit, et puis on fait 4 mailles envers, 5 mailles en droit, 2 mailles envers. Okay, donc je vous laisse répéter ce qu'on vient de faire ici tout le long de votre rang numéro 3.
On arrive à la fin du rang numéro 3. On tricote notre maille de rangée. Et on tourne le travail pour pouvoir commencer donc ce rang numéro 4. Alors, pour ce rang numéro 4, on va commencer comme d'habitude en glissant la première maille, comme ceci. Ensuite, on tricote 3 mailles en droit. 1. 2. 3. 4 mailles envers. 1. 2. 3. 4. 3 mailles en droit. 1. 2. 3. 2 mailles envers ensemble torse. Donc on y va, on prépare ça. Donc on prend l'aiguille de droite, on passe derrière les deux brins au niveau des brins arrière, de manière à ce que la pointe aille vers le devant du travail. On prend notre fil et on le passe dans ces deux mailles. Et ensuite, on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Après cela, je fais un jeté. Et je tricote 2 mailles envers. Donc, une maille envers, 2 mailles envers. Voilà. Donc là, j'ai bien mes 14 mailles normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et donc, ce schéma-là, vous allez le répéter jusqu'à la fin de votre rang numéro 4. J'arrive à la fin du rang numéro 4 et je vais faire donc ma maille de rangée, tricoter ma maille de rangée, tourner le travail et passer au rang numéro 5. Donc pour le rang numéro 5, on va déjà donc glisser notre maille de rangée pour commencer. Puis on va tricoter 3 mailles en droit. Donc 1, 2, 3, on fait un jeté, je glisse la maille suivante comme si je la tricotais en droit, 1, je tricote la maille suivante en droit, 2, la maille glissée va passer par-dessus la maille tricotée, comme ceci, ensuite 2 mailles envers, 1, et 2, 3 mailles en droit, 1, 2, et 3, et puis 4 mailles envers, 1, 2, 3, et 4, voilà, donc ça c'est votre schéma de 14 mailles, vous en avez bien 14, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On ne compte pas la maille de rangée, bien sûr, dans tout ça. Et donc, ce schéma de 14 mailles, vous allez le répéter ainsi jusqu'à la fin de votre rang numéro 5. J'arrive à la fin du rang numéro 5. On n'a plus qu'à faire à tricoter, du coup, notre maille de rangée. Ensuite, on tourne le travail et on passe au rang numéro 6. Donc pour le rang numéro 6, on commence de la même manière, c'est-à-dire on glisse la maille numéro 1. Ensuite, on va tricoter 5 mailles en droit pour commencer. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, 2 mailles envers, 1 et 2, 1 maille en droit, et ensuite on va tricoter 2 mailles envers torse, ensemble. Donc elles sont là, on va passer notre aiguille comme ci, on va faire la place déjà, et ensuite on va passer du coup au niveau du brin arrière sur ces 2 mailles.
On cherche notre fil. On y est. Ensuite, on fait un jeté et une, deux, on fait des mailles envers, hein. Deux mailles envers, trois mailles envers, quatre mailles envers. Ce qui nous donne bien 14 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok ? Donc on a fait nos 5 mailles en droit. 2 mailles envers, 1 maille en droit. Nos 2 mailles tricotées ensemble envers torse, le jeté et 4 mailles envers. Je vous laisse répéter ce schéma jusqu'à la fin de votre rang. On arrive à la fin du rang numéro 6. On n'a plus qu'à tricoter notre maille de rangée. Et puis ensuite, on tourne le travail pour passer au rang numéro 7. Donc pour le rang numéro 7, on va glisser notre première maille comme on le fait comme on l'a fait jusqu'à présent, et ensuite on va pouvoir commencer avec 5 mailles en droit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, un jeté. Je glisse la maille suivante en droit, je tricote la maille suivante en droit, la maille glissée passe par-dessus la maille tricotée. Je tricote ensuite une maille en droit. Donc on est à 8 normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc vous avez votre schéma de 14 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et vous n'avez plus qu'à le répéter jusqu'à la fin du rang. On arrive à la fin du rang numéro 7 et on tricote notre maille de rangée. On tourne le travail et on commence notre rang numéro 8. Donc rang numéro 8, on va glisser la première maille. Et on va commencer par tricoter 7 mailles en droit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 7, et ensuite 7 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vous laisse répéter ce schéma de 14 mailles avec 7 mailles en droit et 7 mailles envers jusqu'à la fin de votre rang numéro 8. On arrive à la fin du rang numéro 8, on tricote notre maille de rangée comme d'habitude et on passe au rang numéro 9. Donc pour le rang numéro 9, on commence avec notre maille de rangée. On tricote une maille envers pour commencer. Puis 6 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, puis 5 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 5.
Ensuite, on va tricoter deux mailles ensemble en droit. Donc, comme ceci. Comme sur les trucs. Voilà. On fait deux mailles ensemble en droit. Et ensuite, on fait notre jeté. Et on n'a plus qu'à recommencer sur ce principe-là. Donc, on y va. Maille envers. Une maille envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en droit, 5 mailles envers, nos deux mailles tricotées ensemble en droit et le jeter. Donc ça devrait vous faire 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors je laisse répéter ce schéma du coup de 14 mailles jusqu'à la fin de votre rang. On arrive à la fin du rang numéro 9, on a bien notre jeté qui est en place et on n'a plus qu'à tricoter notre maille de rangée. Voilà pour clore notre rang numéro 9. Et maintenant, on va passer au rang numéro 10. Et pour cela, donc, on va déjà glisser la première maille, donc maille de rangée. Ensuite, on va tricoter une maille envers. On va faire un jeté. On va tricoter deux mailles ensemble envers. Voilà. On glisse tout sur notre aiguille de droite, une fois qu'elles sont tricotées. Ensuite, on va tricoter quatre mailles en droit. Donc, une, deux, trois et quatre. Puis, 5 mailles envers, 1, 2, 3, 4 et 5, puis pour finir, 2 mailles en droit, 1 et 2. Et après cela, vous n'avez plus qu'à reprendre ce même schéma. Et donc de 14 mailles et de le répéter jusqu'à la fin du rang numéro 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je vous laisse poursuivre jusqu'à la fin de votre rang numéro 10. On arrive à la fin du rang numéro 10. On le termine avec une maille de rangée. Et ensuite on tourne le tout pour passer au rang numéro 11. Donc pour cela, on va déjà commencer par la maille de rangée que l'on va glisser, bien sûr. Ensuite, on va tricoter 3 mailles envers. 1, 2, 3. Et 3. Ensuite, on va tricoter 4 mailles en droit. 1, 2, 3, 4. Puis, on va tricoter 3 mailles envers. 1, 2, 3. Ensuite, 2 mailles en droit tricotées ensemble. Puis un jeté et deux mailles en droit. Une et deux. Voilà. Donc là, vous devez avoir 14 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et je vous laisse répéter ce schéma jusqu'à la fin de votre rang numéro 11. On arrive à la fin du rang numéro 11 et on va tricoter du coup la maille de rangée pour pouvoir passer au rang numéro 12. On y va, la maille de rangée est tricotée, on tourne le travail et on passe au rang numéro 12. Donc pour cela, on va déjà glisser la première maille sur l'aiguille de droite. Donc ça, c'est notre maille de rangée. Ensuite, on va tricoter 3 mailles envers. Donc 1, 2 et 3.
Ensuite, après avoir fait ces trois mailles envers, on va faire du coup un jeté et on va tricoter deux mailles ensemble envers. Comme ceci. Une fois que cela est fait, on va tricoter deux mailles en droit, une et deux. Ensuite, trois mailles envers, une, deux et trois. Et ensuite, quatre mailles en droit, une, deux, trois. Et 4. Donc voilà, vous avez vos 14 mailles, donc votre premier schéma est tricoté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et vous n'avez plus qu'à répéter ce schéma de 14 mailles jusqu'à la fin de votre rang numéro 12. On arrive à la fin du rang numéro 12. On n'a plus qu'à tricoter la maille de rangée pour passer du coup au rang numéro 13. Le rang numéro 13, on commence comme d'habitude avec notre maille de rangée que l'on glisse sur l'aiguille de droite. Ensuite, on va tricoter 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà pour le début du rang numéro 13. Donc on a tricoté 5 mailles envers, ensuite on va tricoter 2 mailles en droit, 1 et 2, puis une maille envers. Donc voilà pour le début. Maintenant on va tricoter 2 mailles ensemble en droit. Ok, ensuite on fait, après cela, on va faire un jeté et tricoter 4 mailles en droit. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc là, on a notre schéma de 14 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et ce schéma de 14 mailles, on va le répéter tout le long de notre rang numéro 13. On arrive à la fin du rang 13, on tricote notre maille de rangée et ensuite on tourne le travail pour pouvoir passer au rang numéro 14. Donc le rang numéro 14, on commence comme d'habitude avec notre maille de rangée et ensuite on va tricoter 5 mailles envers. Donc on y va, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on a nos 5 mailles envers. Ensuite on va faire un jeté. On va tricoter 2 mailles ensemble envers. Voilà. Ensuite on refait une maille envers. Et là je vais tricoter 6 mailles en droit. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà pour notre schéma de 14 rangs, de mailles, 14 mailles pour le rang numéro 14. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nous y voilà. Je vous laisse répéter ce schéma de 14 mailles, donc du coup jusqu'à la fin de votre rang numéro 14. Je viens de clore le rang numéro 14, j'ai aussi tricoté ma maille de rangée, comme d'habitude. Maintenant, je vais vous laisser répéter ces 14 rangs, donc les tricoter plusieurs fois, donc ça vous permettra de pratiquer et puis de voir comment le point évolue. Je vais faire pareil de mon côté et je vous montre dès que j'ai une hauteur suffisante pour vous donner un bel aperçu du point. Et voici le rendu que vous obtenez après avoir tricoté plusieurs fois donc ce schéma de 14 rangs. Donc vous voyez très bien cet effet de petites branches feuillues, donc des petites feuilles comme ceci. C'est un point qui est réversible, hein, comme vous pouvez voir de l'autre côté. Vous avez, voilà,
quelque chose de un rendu similaire. Donc j'espère vraiment que ce point vous plaît, que vous avez passé un bon moment à le tricoter, que les explications étaient suffisamment claires. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager, ça peut toujours servir et ça fait super plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite. Salut !